Envoyé spécial du roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, Taïb Fassi Fihri était accompagné de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Son Excellence Mustapha Jabari. Le renforcement de la coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire au menu des échanges. Pour rappel, le souverain chérifien avait, dans ce cadre, effectué au cours de l'année dernière une visite officielle en Côte d'Ivoire. L'envoyé spécial du roi du Maroc a eu un long entretien avec le chef de l'État ivoirien sur les voies et moyens de créer un rapprochement encore plus fort entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, selon le vœu de leurs deux dirigeants respectifs. Je crois que ces deux pays ont beaucoup de choses encore à faire en commun, grâce à la vision de leurs deux chefs d'État et grâce à leur volonté partagée de créer, de diversifier, de renforcer non seulement la coopération, la concertation politique, mais la coopération dans tous les domaines, essentiellement du développement humain ou de la coopération économique entre les différents secteurs publics et privés, dans le domaine culturel. En prélude à la tenue ce jeudi ici à Abidjan d'une session extraordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Kadré Ouédraogo, est venu faire le point au président en exercice de l'organisation, le président de la République Alassane Ouattara, de l'ensemble des dossiers qui seront examinés au cours de ce Conseil des ministres extraordinaire. Au nombre de ces dossiers, le projet de réforme de la commission de la CEDEAO. Ce Conseil extraordinaire des ministres est convoqué pour principalement connaître des démarches de réforme institutionnelle qui sont entreprises actuellement au niveau de la CEDEAO. Vous savez que nous avons entrepris de renforcer le personnel de la commission de la CEDEAO par le recrutement d'un certain nombre de cadres professionnels et de directeurs. Et vous savez également que lors de la 43e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue les 17 et 18 juillet 2013 à Abuja, la conférence a décidé d'élargir la commission de la CEDEAO à 15 membres. Eh bien, nous sommes en train de mettre en œuvre cette importante décision des chefs d'État et de gouvernement. Et bientôt, notre commission sera composée de 15 commissaires. Pour le moment, il y a 9 commissaires. Et bientôt, ça sera une commission de 15 commissaires où chaque pays sera représenté. Le président de l'Agence coréenne de coopération internationale, la COICA, a été reçu en début de soirée ce mardi. Kim Yang-mok s'est entretenu avec le président de la République des nombreuses opportunités qu'offre la COICA, l'Agence coréenne de coopération, notamment dans les domaines de la construction d'infrastructures routières, de la production d'électricité à moindre coût, de la formation professionnelle dans le domaine médical, etc. Autant d'opportunités dont la Côte d'Ivoire pourrait bénéficier dans le cadre de sa coopération avec la Corée. Nous avons complètement un accord de renforcer notre coopération et j'ai promis au ministre d'État, aussi au président de la République, de commencer notre projet d'assister le peuple ivoirien.